Salut! Comment vous portez-vous ce matin? Moi ça va. Moi ça va plutôt très bien. Bah, ce matin on change un peu de registre, comme je disais. Des jeux vidéo, des jeux de course, mais pas que. Ce matin on est dans le pas que. Je sens qu'il y aura un autre jeu qui devrait arriver aussi au cours du mois. Et ce matin il y a une licence que j'ai envie de me faire, qu'on m'a beaucoup dit bien de cette licence. Mais que malheureusement. Malheureusement je suis trop con. Ça rend pas mal comme ça. Ça commence à faire un peu de lumière, un peu beaucoup de lumière. Depuis une seconde. C'est pas Versailles ici. Donc nous voilà. Ce matin, ça va être Assassin's Creed. On va découvrir ce petit jeu tranquillou. Alors ce petit jeu, non, ce gros jeu. Quand même le jeu a quand même énormément marché. Moi je suis curieux parce qu'en vrai je suis jamais arrivé à accrocher au jeu. Et j'espère que ce matin, à votre compagnie, on va faire changer tout ça. J'espère sincèrement que ce matin, en votre compagnie les amis, on va faire changer ça. On va y arriver. Du coup, je vais lancer le jeu. Et dès que le jeu est lancé, on se switch dessus. Hop là. Donc je méfie parce que je méfie. C'est pour ça que je vais lancer le jeu. Parce que je méfie d'Ubisoft. Êtes-vous que j'essaie de jouer. J'ai joué 62 minutes. Oui, bah oui, j'ai largement ce qu'il faut, détends-toi mon grand. J'ai pas envie de l'enregistrer en fait. C'est à l'époque qu'il fallait enregistrer les produits Ubisoft, ah ouais. Par contre, la musique est sympa, par contre, mais ça va pas aller avec le jeu, je pense. Je vais la couper dès que le show menu principal. Et que je vous ai switché la caméra, que vous puissiez voir quelque chose. Là, vous y voyez rien, vous voyez juste ma gueule. Yo, Youngjo, comment ça va? Du coup, on fait ça, hein. On va faire un truc synchro, vous allez voir. Comment il va, Youngjo Fly? Comment il va? Joe. À pull, monsieur. Et pume. Ouais, non, c'est pas The Crew là. J'ai un nouveau sub, ouais. J'ai Gourou qui s'est sub hier. Alors que j'étais en train de faire un speech sur le fait de pas se ruiner pour moi. Il est venu me faire un sub en rigolant en disant je sub si je veux, donc ben voilà. Donc voilà. Du coup, on est parti pour Assassin's Creed, mes amis. Je découvre le jeu. J'ai joué 68 minutes, mais j'ai pas accroché. Donc c'est comme si. Si. Non, mais je veux pas continuer. J'appuie sur une touche, là, du con.
Là déjà ça va me gonfler. Sans vouloir faire la mauvaise langue, hein, là déjà ça va me gonfler. Yep, une PDP Afterglow. Manette. Ok, donc ça fonctionne. Ok. Ok. Non, non, il est compatible, c'est juste qu'il faut paramétrer la manette. Parce que c'est un jeu Ubisoft. Et qu'à cette époque, il fallait dire au jeu: Eh! Je veux jouer à la manette! Il connaissait pas encore l'autodétection. En plus, les gars, vous allez profiter de Assassin's Creed en ultra, les gars. Ouais. Pourquoi j'ai juste remonté le son de Shadow? Voilà. Oh, ça en fait de la. J'ai mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Wow. Que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chemin. Celui de toute science augmente sa douleur. J'ai glissé, chef. On a un problème. Ah, c'est le tout premier. De maintenir la connexion mémorielle. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. On arrête. Essayez de me détendre un peu. J'ai essayé de stabiliser. Le tuto est pas en couille. Vous sentez bon. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. Vous n'avez aucune raison d'avoir. Rien à faire. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle. La première fois n'est jamais facile. On le perd! Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite! Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener par le tour. Ah. Je vais refaire le GFH4. Ça va? Dans une durée indéterminée. Il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman! Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ça ou marche, non, chier. Vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé, tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous, d'ailleurs. À toute, Joe. Merci d'être passé, en tout cas, à vous deux. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, Monsieur Miles? Vivre ou mourir? Mourir. Pardon. Allongez-vous.
Ça va. Vous voilà raisonnable. Wow. Elle est où la mademoiselle ? Où suis-je ? Là, vous êtes dans l'animus. Eh, mademoiselle, j'ai mignonne. Encore, c'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en trois dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, monsieur Miles ? D'abord. C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres. C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi ? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors quelle est la solution ? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. C'était Philippe Etchebest. Le gars qui gère l'animus, c'est Philippe Etchebest, quoi. Wouah! Attention, flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, sujet numéro 17. Salut, sujet numéro 18. Le système a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Ah putain, je t'ai oublié, toi. Ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. L'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Bien. Je ne m'attendais pas à les voir, celle-là. Votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Hey, c'est pratique ça pour aller balader sur l'aérodrome. Ah merde, il y en a qui fait tomber une jarre. C'est pas moi, c'est toi qui est pas doué. Ah, oh, sérieusement. Tiens, pour se balader au marché, c'est nickel ça. Bien joué. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée.
Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Hey, salut la Latina, c'est le tout premier. Je commence par le tout premier Assassin's Creed. Excellent. En fait, c'est une série à laquelle j'ai toujours voulu jouer, mais j'ai jamais accroché. Donc je vais me forcer un peu ce matin pendant le live pour essayer d'avancer et peut-être pourquoi pas me faire aider. D'accord. Dans 50 mètres. Un marqueur. En mode actif ? Appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Ça serait con quand même. De sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. T'es caté frère, c'est moi le plus rapide. Je connais pas, moi je joue Need for Speed moi. Bien joué. Ah je pète, je mets une trou là. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que du bien de ce jeu. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Souille ! Oh là là ! Un garde m'a vu ! Le cadavre a attiré l'attention du soldat. Et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Voilà. Un assassin ! Arrêtez-le ! Votre statut indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Tu m'échapperas pas! T'es sûr? Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Bien. Votre statut indique que vous êtes caché, mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. Oh là là, je vois vraiment pas où est-ce qu'il pourrait être. Surtout, reste bien caché. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente. Et avec elle, vos chances de réussir. Du coup, la Latina, je compte sur toi pour m'aider si jamais je plante. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Salut, vous êtes au courant, j'ai une épée qui est aussi longue que la vôtre ? Ah, par contre, je suis désolé, je risque de relever des incohérences. Hein. Je suis désolé, je risque un peu de niquer le truc, mais. Totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Bien joué.
Ok. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. D'accord. Et une puce de carte SIM, bah trop bien. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Rip à toi. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour tu seras un maître, Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie des frères. C'est celle que j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Alors... Bravo! Il y a une échelle là sinon, ah voilà. On a pas vu, il y avait un poteau en plein milieu. C'est malin ça. Là, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche? L'arche? L'arche de Noé? C'est pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! C'est ma bite. Viens, approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Massiaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion, Altaïr. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Qu'est-ce qu'on fait? On le bute ou on le bute pas du coup? Ça se passe comment? Non parce que moi les obstacles j'ai des intègres gros, mais y'a du monde qui est en bas. On va se faire péter le cul là. Arrêtez Templier. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non! Arrête! Tu ne sais pas qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables l'ont prononcé à la Terre Sainte.
Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez, et vous mourrez tous. T'as l'air con, là, maintenant. Aux armes, soldats! Tuez les assassins! Ah. Bravo, mec, t'as vu de me faire tuer tous tes potes. Y'aura plus personne pour te balancer ce que t'as joué au con. Pour le bon côté des choses. Ah. Mauvais timing. Désolé pour la caméra. Ah. Je regarde pas ça en vertical, je regarde que l'horizontale, c'est handicapant. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream, nous sommes actuellement on essaie actuellement de jouer à Assassin's Creed 1. Jeu que je vais m'arriver à faire. C'est rapide, un fragment de séquence plus récent. Salut Dippo! Comment ça va? Altaïr, tu es de retour? Ah ouf! Content de te voir, ça et sauf Dai. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour? Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Ça va, ça va. Sérénité, Altaïr. À toi aussi. Ouais. Alors. Par contre, je vais opérer un tout petit quelque chose. Ne m'en voulez pas. On va opérer un petit changement. J'ai un petit souci technique là. Ne bougez pas. Bah, le premier, en fait, tu vois, je vais découvrir parce qu'en fait, j'ai jamais arrivé à y accrocher malheureusement. Ok, Streamlabs qui a décidé de déconner à plein tube. Ah. Il faut aussi que je fasse sauter ça alors. Ne partez pas, je règle un tout petit souci et on reprend tout de suite. Ne vous inquiétez pas, on reste sur le jeu, on voit les gens passer. On sera en Provence en plein été. On entendrait presque les cigales. Et pourquoi il m'en a créé 5 ce con? Attendez.
Mais en fait, le premier, je suis même arrivé à accrocher Shkubo. Donc j'espère et je compte sur vous, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, pour m'aider quand je bug un peu. Parce que je me rappelle pas que j'avais bloqué un endroit. Alors j'explique le bug que je viens d'avoir. En gros, j'ai voulu créer une scène pour que pour laisser un peu plus de jeu. Merde. Désolé, ce n'était absolument pas prévu. En gros, je voulais créer une scène pour éviter que vous ayez tout le... Tu sens pas bien ton manga. Mais il m'a fait quoi ce con? Oh là là! C'est là que je me rends compte à quel point mes scènes ne sont pas du tout opti en fait. Hop là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça dégage. Ça dégage. Non, regarde. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, les gars. Il n'y a que des solutions, regarde. Hop, là, on a fait ça. Ensuite, on ouvre le dossier. Alors, ça dégage. Ça dégage. Du coup, vous voyez les modifications directes, c'est super ça. Ça dégage. Toi ma grande, désolé mais tu dégages aussi. Ça reste. Là on va mettre ça vers ici je pense. T'as juste le monter légèrement, ça gêne pas trop le... Voilà. Transformer, centrer horizontalement, voilà. Ça et ça. Est-ce qu'on a besoin de voir ma tranche pendant que je joue? Non, on s'en fout. Hein. Ça dégage. Et ça. Je pense qu'on est à peu près bon là. En plus, ça colle à peu près avec le style graphique du jeu, donc ça va nickel quoi. Ben voilà. Maintenant, reprenons. Suite à ce petit incident technique, nous pouvons reprendre le jeu. Désolé pour cette interruption. Il n'a plus toute sa tête. Il n'a plus toute sa tête. C'est quand même... Vous voyez, même si le jeu il est un peu vieux, il faut quand même reconnaître, il faut quand même admettre qu'il est très très beau quand même. Qu'est-ce qu'il compte faire? Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je te demande pourquoi t'es habillé comme un clochard avec tu t'es rasé le crâne toi? Non? Alors ta gueule. Bon alors. Mais je fais ce que je veux, si j'ai envie de chier sur le mur putain. Oh merde.
C'est bizarre. Qu'est-ce qui lui prend? Ah, oh, putain, on peut même plus chier sur les murs tranquille, quoi. Et ça, c'est des poteaux, d'accord. Quoi, je suis un killer, j'ai rien fait, moi. Parce qu'il y a quand même en même temps. Mais je fais ce que je veux, putain. Je suis en train d'inspecter si la toiture elle est en bon état, bordel. D'ailleurs, elle est pas en bon état, on peut pas passer à cause de sa peine de merde là. Faudra penser à mettre les boules à votre chipri là. Putain, c'est bien le Moyen-Âge ça. Putain, tu pètes quoi, on va te critiquer sur l'odeur de ton pied quoi. Ah, toi tu manges pas assez de fruits et légumes toi, tu manges un peu trop de bœuf. C'est toi qui as mangé toutes les réserves du village. Ouais alors. C'est beau par contre. Il n'y a pas à chier, il est beau quand même. Vraiment, il n'y a rien à redire là-dessus. Le jeu a beau être très vieux, ça se ressent, hein, là ça se ressent sur les feuilles, hein, clairement. À les feuilles, clairement, on sent que c'est le jeu, il est un peu vieux. Mais franchement, c'est beau. C'est par là. Reviens enfin. Yep. Abbas, où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Non, ils sont arrêtés boire un café. Je déteste partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. N'as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. A plus, Zippo. Bah écoute, bon opening, je regarderai la rediff, malheureusement. Alors, la bibliothèque, c'est où la bibliothèque? Parce que moi, les livres, je sais pas trop ce que c'est, quoi. Dai, c'est un honneur. Non, moi, c'est pas un honneur. Le maître t'attend à l'intérieur. J'en déduis que c'est la bibliothèque. Hein? Mais il est où le maître? Il est où Yoda? Bon, je suppose qu'il est à l'étage du coup. Ah, j'y pense. Attendez. Encore une petite chose. Tant que j'y pense, que je l'ai vu pas tout à l'heure. Vu que je suis pas en multistream, ça sert à rien de spammer le lien. Excusez-moi pour le petit... Voilà, désolé. Hop, on reprend. Salut vieux con. Altaïr,
Maître. Avance. Fais-moi le récit de ta mission. Trésor des Templiers est-il enfin à nous ? Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire ? J'ai échoué, maître. Le trésor ? Je ne l'ai pas. Et de Sablé ? Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui. Tais-toi. Ne dis plus un mot. Vous m'attendez à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. Je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Tu resteras ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar ? Morts. Non ! Pas tout à fait. Malik. Je suis toujours en vie. On ressent, on ressent. Et ton frère ? Il n'est plus. Par ta faute ! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde ! Nous aurions pu éviter cela ! Et mon frère ? Mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli ? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Massiaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Avance rapide vers une séquence. Baston ! Content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé ? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Mais pas tous. Que veux-tu que je fasse ? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. T'es capté, frère. Ah oui, c'est ça qu'il disait par tomber. Oh, c'est chiant. On peut pas prendre un raccourci là. T'es obligé de mettre un fossé de 20 km de profondeur. Ah, c'est de la baston là. Qui est passé au même moment. C'est ça qu'on veut. Ensuite. Je m'imagine pas qu'il y avait autant de monde quoi dans les rues quoi.
Donc tu reprends des points de vie quand tu butes des gens. Ok. Bon à savoir. Ça va être un peu la merde. Altaïr, viens. Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où allons-nous? Là-haut. Nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Tu ne vas pas tarder à comprendre. Oh, ça sent la natation synchronisée, ça. Ça sent la scène grave stylée, je sais pas vous. Place-toi sur cette plateforme, Altaïr. Hérétique ! Hérétique ! Rendez-moi ce que vous m'avez volé ! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues un jeu dangereux ! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu ! Amenez l'otage ! Ton village est en ruine et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait. Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi. Et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Oh. Ouh. Ah, 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 ma jambe. Ah, ah, ma jambe. Silence. Les Templiers vont nous entendre. Je vais rester avec lui. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Sur les poutres qu'est poutre. Ah d'accord, ça là. Le mec s'est pété la jambe aussi. Un génie quoi. Il y a trois brins de foin qui attendent en bas quoi. Le mec il se débrouille de rater ça quoi. Ah, raté. Je commence déjà à avoir le vertige, là, c'est chaud. Ah. C'était donc ça, ce fameux mème. Où tu vois l'assassin qui a accroché la corniche. Où t'as le joueur qui fait saute, mais saute. Et là, il y a l'autre qui saute du mauvais côté. Silence. Les Templiers vont nous entendre. Bon, je commence à y aller, les gars. Je vais rester avec lui. Il va devoir continuer sans nous.
Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. La mort s'abatte sur nos ennemis. Si tu tombes là, c'est un peu compliqué pour le plongeon là. Tu vas te faire très mal. Surtout si tu fais un plat. On va rigoler là maintenant. Je rentre pas assez en l'air moi. Tranquillement. Prends ton temps surtout, hein. C'est pas comme s'il y avait un peu la merde dehors. Ok. Et c'est quoi son piège à lui? C'est Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance. Que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hachichiyun, nous ne sommes rien. Ces trois règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. Troisième et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Enfin, faut pas déconner non plus. Vraiment désolé. Je suis pas que le responsable. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Ah, ça rigolait pas à l'époque, hein. Tu merdais. Hop, un petit coup de couteau dans le rein, là. Un petit foie gras d'Altaïr. C'est une supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore une heure ou deux. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord.
Ils veulent discuter de quoi dans la salle de conférence? Souvenirs sans intérêt. Ah. C'est pas possible, je peux même pas me changer. J'avoue que ça commence à sentir mauvais là quand même. Bon, je sais pas s'il faut retourner à la table d'opération. Ah, c'est quoi ce livre? Ah, c'est un classeur. Putain, il y a la taille de mon pénis. Pardon. Oh, le bureau quoi. Oh, ce bureau tellement mégalo quoi. Putain, on voit même pas les voitures en bas de l'immeuble quoi. Oh là là. Bon ben on va reprendre hein. Non, faut faire quoi? C'est terminé pour aujourd'hui, Monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. Oh. La caméra, merci. C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte. Bon ben au pieu hein. Le matin suivant. Bon, vous fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, Monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi respectable ? Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation, la rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile, et parfois ça ne prend pas. Laissez-moi deviner, vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret. Je porte ton 06 après l'émission. Non, parce que t'es quand même joli, quoi. Non, bon, ok.
Avez-vous oublié comment fonctionne l'animus? Choisissez un souvenir dans le menu face à vous. Qu'on puisse commencer. Si vous êtes repéré, tournez brusquement. Je suis vivant. Incroyable. Et vous m'avez poignardé. J'ai senti la mort m'emporter. Tu as vu ce que je voulais que tu voies. Et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort. Pour qu'à ton réveil, tu sortes du néant et vives à nouveau. Dans quel but? Te souviens-tu, Altaïr, pourquoi les Hachichiyun se battent? Pour la paix, en toute chose. Oui, en toute chose. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin aux violences entre les hommes, mais aussi de trouver la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est. Mais toi, mon fils, tu n'as pas trouvé la paix intérieure. Ton arrogance et ta vanité en sont des témoins évidents. Pourtant, n'est-ce pas vous qui disiez que rien n'est vrai et que tout est permis? Tu ne comprends pas le sens de cette phrase, mon enfant. Cela ne t'autorise pas à te comporter comme tu l'entends. Nous parlons d'un savoir qui doit guider tes sens et d'une sagesse qui te fait encore défaut. Alors que vais-je devenir? Je devrais te tuer pour tout le mal que tu nous as fait. Malik ne me contredirait pas. Ta vie en échange de celle de son frère. Mais ce serait du temps perdu, tu vaux mieux que cela. Comme tu le remarqueras bientôt, tes biens t'ont été enlevés et tu as été déchu de ton rang. Tu es redevenu un novice, un enfant, comme le jour où tu as rejoint notre ordre. Je t'offre une chance de te racheter, de te battre pour réintégrer la fraternité. Et qu'avez-vous prévu exactement? Pour commencer, prouve-moi que tu n'as pas oublié ce qu'est la fraternité. Vous voulez que je tue quelqu'un? Non, pas encore. Dans l'immédiat, tu vas suivre la formation d'un apprenti. Tout cela est inutile. Tu étais un maître. D'autres traquaient les cibles pour toi. C'est fini. Désormais, tu devras les trouver toi-même. Si c'est ce que vous voulez. En effet. Alors dites-moi ce que je dois faire. Nous avons été trahis. L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé. Trouve-le. Et conduis-le devant moi pour que je l'interroge. Que savez-vous de ce traître? Oh, mais rien de plus. Tu en sais autant que moi. Le reste, tu devras le découvrir. Ah. D'accord. Ah oui. Je peux encore courir au moins, dis-moi. Parce que là, ils m'ont tout pris là. Eh, tu savais tenir une épée? Ouais, bah maintenant tu sais plus. Ah, ok. Sérénité, Altaïr. Tu m'empêches de passer. Oui, Al-Mualim m'a demandé de t'assister, de te rappeler comment on chasse une proie. Je sais comment on fait. Quoi qu'il en soit, je m'en voudrais de lui désobéir. Alors fais vite. Les Hachichiyun ont plusieurs moyens d'arriver à leur fin. Oui, oui, nous pouvons écouter les conversations, voler ou intimider quelqu'un par la violence. Bien, tu ne l'as pas oublié. Tu voudrais que je me mêle à la foule et que j'obtienne des informations sur ce traître? C'est ça. Commence par le marché du village. C'est là qu'il a été vu pour la première fois. Tu sais donc qui il est? C'est possible. Eh bien, donne-moi un nom, qu'on en finisse. Ce n'est pas comme cela qu'on procède. Va, et n'oublie pas, commence tes recherches au marché du village. Du coup, c'est un traître lui aussi, vu qu'il veut pas le balancer. Non? Ça marche pas comme ça? Mais je sais pas, mais... Allô, marché.
pantillage, je les fous là. Je sais ce que j'ai vu. Massoun a ouvert la porte. Il a laissé entrer les Templiers. Tu dois en parler à Al-Mualim. C'est trop tôt. Massoun n'a pas agi seul. Il avait un complice dans la forteresse. Comment peux-tu en être sûr? Il échange des messages avec quelqu'un, à l'intérieur. Le Vanier sert d'intermédiaire. Ce n'est pas une raison pour ne rien dire. Ah, et le Vanier lui a remis un message juste avant l'attaque. Je suis sûr qu'il lui a ordonné l'ouverture de la porte. Alors interroge le Vanier. Il connaît l'identité du complice. Il a disparu. Il se cache, de peur d'être mêlé à tout cela. Ouais, peut-être dans un de ses propres paniers. Il va finir par se blesser. Mais non. Bah, c'est du parcours, les frères. Mais qu'est-ce qu'il a ? Bah, il court. J'ai un footing, j'ai pas le droit. Juste un! Nous avons tout perdu dans l'attaque! Nous ne pouvons plus entreposer notre grain! Je... pas maintenant. Je suis occupé. Ce message vous inquiète? Quel message? Celui que vous avez reçu à mon arrivée. De mauvaises nouvelles? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire, mais s'il vous plaît, dans l'immédiat, laissez-moi. Revenez plus tard. Comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, on apprend aussi à mener une enquête. Excellent. Vraiment bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je sais pas s'il lui prend. Il devient fou. Complètement con. Ça rend con d'être assassin. Comment vous me regardez ? J'écoute vos conversations. Un traître, moi ? Non, pas un traître. C'est Al-Mualim qui nous a trahis. Vous verrez. Bientôt. Vos yeux s'ouvriront à la vérité. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Un monde meilleur, où tous les hommes seront enfin égaux. C'est ce rêve que des hommes comme Al-Mualim tentent de détruire par tous les moyens. L'attaque d'aujourd'hui sera suivie de beaucoup d'autres si vous ne vous repentez pas. Renoncez à cette vie. Soulevez-vous contre le fou de Masyaf. Assez de mensonges. Arrêtez de me suivre. Ok, donc là, on doit faire le tuto pour interroger le monsieur. Forcément, ce coin, il va être dans un coin indiscret.
pour aller faire l'amour dans les buissons. Je m'enchaîne, frère. Alors parle et vite. Tes petits jeux ne m'intéressent pas. Pourquoi nous as-tu trahis? Et qui sers-tu? Nous servons les Templiers. Rejoins-nous. C'est une noble cause. Nous? Il y a un maître. Il s'appelle Jamal. C'est lui qui m'a exposé leur plan et demandé d'ouvrir la porte. Tu nous as trahis. Nous qui te considérions comme un frère, qui te protégions du mal. J'ai fait ce que j'estimais juste. Si tu dois me tuer pour cela, alors fais-le. Je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas moi qui déciderai de ton sort. Al-Mualim sera le seul juge. Avance rapide vers une séquence plus récente. Je me sentais pas de le ramener. D'avoir trahi notre fraternité et d'avoir permis à l'ennemi d'arriver jusqu'à nous. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Tout cela est vrai. Je suis fier de ce que j'ai fait. Mon seul regret est d'avoir échoué. Je t'offre une chance de te racheter. Renonce au mal qui est dans ton cœur. Il n'y a rien d'autre dans mon cœur que la vérité. Je ne me repentirai pas. Alors tu mourras. Ah oh. Je te félicite, Altaïr. Tu as gagné le droit de porter une épée. Et celui qui l'a aidé, que va-t-il devenir? Cela reste à voir. Certains font le mal par ignorance ou par peur. Ces hommes peuvent être sauvés. D'autres ont vu leur volonté se corrompre, leur esprit se pervertir. Ceux-là, il faut les détruire. Nous saurons bientôt quelle sorte d'homme est Jamal. J'ai réussi la première épreuve. Et maintenant? Oh, mon enfant. Mais cela ne fait que commencer. J'ai ici une liste. 9 noms y figurent. 9 hommes qui doivent mourir. Ce sont de vrais fléaux, des partisans de la guerre. Leur influence menace de pervertir cette terre. À cause d'eux, la croisade continue. Trouve-les et tue-les. C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix, pour notre terre et pour toi-même. Ta rédemption est à ce prix. 9 vies en échange de la mienne. C'est une offre très généreuse. Que veux-tu savoir d'autre? Juste où je dois commencer. Très bien. Va à Damas. Cherche un marchand clandestin du nom de Tamir. Qu'il soit le premier à payer. N'oublie pas d'aller voir le chef de cellule de la ville à ton arrivée. Je vais envoyer un oiseau pour informer le Rafik de ton arrivée. Parle-lui. Il a beaucoup de choses à t'apprendre. Si vous pensez que c'est mieux ainsi. Je le pense. De plus, tu ne peux commencer ta mission sans son accord. Je n'ai pas besoin de sa permission. Pourquoi procéder ainsi? C'est une perte de temps. C'est le prix à payer pour tes erreurs passées. Tu dois répondre de tes actes, devant moi, mais aussi devant la fraternité. Je m'incline. Prends ton équipement et va. Prouve que tu es encore l'un des nôtres. Juste se racheter chez eux, dis donc. Oui, c'est une lame. Échelon 1. Hein. Du coup, je récupère tout, ok. Altaïr, semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Yeah.
Quelle maîtrise! Regardez, voilà comment nous devrions tous combattre. D'accord. Je comprends. Tu es très occupé. Le temps joue contre vous. Que votre première attaque soit aussi la dernière. Je vais y arriver, oui. Accélérer un peu le mouvement, ça ne va pas s'en sortir là. Où va-t-il ? Aïe. Non. J'avais juste envie de me taper un petit footing. Laisse-moi tranquille. Bien ça. C'est Red Dead Redemption 2. Mais il y a 10 ans. Que vous avez sauvé vous aideront à traverser. Ça est arrivé. Je vais rajouter un petit truc. Là. Faut que je grimpe là-haut donc.
Ouais, la caméra qui bute sur tous les obstacles, on en parle ou... Faut que je fasse tous les points. Bah écoute, allons-y, hein, on va faire ça. Hein. J'ai rien fait, frère. Il est pas fou, lui. Non, tu vois rien, je vois pas de quoi tu parles. Alors. Tu vois Bobby, ce panorama, il est tout à nous.
C'est quand même chaud, hein. Bon, il y a une route à droite qui va vers un point de vue. Tu peux arrêter tes conneries 2 minutes? Là-bas, c'est lui! Arrêtez-le! Abandonne! Il ne s'en tirera pas! Ah! Je vais être prêt! Donc il est con. Ok! Je pars là, compte de toi. Tais-toi. Escalader les grandes structures pour avoir une vue d'ensemble. C'est ce que j'ai commencé à faire, madame, merci. Pourquoi ça clignote ce machin? Ah! Roi Richard. Ça doit être un fait historique, ça. Alors, non, c'est pas moi. Vous m'excuserez, j'ai des réparations à faire sur la tour. Il y a un câble électrique qui est mal fixé. Je sais, il n'y a pas de câble électrique à ce temps-là. C'était pour la petite touche d'humour. Oui. Pour continuer à monter, s'il te plaît. Merci. Ah, fait forcément que je monte là où il y a la poutre pour le saut de la foi. Intelligence survie.
Je suis invisible, les gars. Oh, Robert, t'as vu quelque chose, toi? Non. Oh, t'as vu, le vieux moine là-bas, il a sauté dans la charrette. Putain, ouais. Ouais, c'est gavé, hein. On va faire ça aussi simplement que ça, d'accord. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Allons-y. Hein. Allons-y. Ah! C'est emmerdant ça, dis donc! Ça me rappelle un peu la Provence. Avec tous ces cyprès. Ça me rappelle quand je sors de chez moi, je vois à peu près la même chose. Ça me rappelle ma province natale, là où on entend les cigales chanter. Je croirais dans la gloire de mon. La gloire de mon assassin. C'est un remake de Marcel Pagnol.
Vous m'avez pas vu, les gars. On va faire des potes, moi, dis donc. Ok, donc ce jeu c'est plus Metal Gear Solid que Rambo. Ok. Y'a personne qui m'a vu. Faisons cela. Il ne s'en sortira pas. Tu ne vas pas fuir toute ta vie. Tu ne m'échapperas pas. T'inquiète, j'ai tué un gars. Salut Sadik! Qu'est-ce qu'il dit l'artiste? L'artiste il dit qu'il essaie de se faire Assassin's Creed. Il va le faire en live. Il va peut-être se prendre Red Dead Redemption 2 aussi, accessoirement. On marche. Il y a un drapeau là-bas. Par contre, on est surveillé là. On est giga surveillé tranquillement.
on continue tranquillement notre petite balade. On va essayer de faire les points d'observation en priorité là. On y va tranquillou. Alors oui, j'ai fait sauter la cam parce que techniquement on s'en bat les couilles du jeu de ma tronche. Je pense que voir le jeu est plus important pour le coup vu le jeu que de voir ma tronche. On active les quatre motrices, allez. Il me semble que Zippo est en train de faire l'unboxing du giveaway de Gourou. Si tu veux aller voir. Altair, passion cheval. Ah. Ah. Arrête de parler allemand, détends-toi. Je pense que je fais le tour là. Je pense qu'on va être bloqué. Voilà, prévisible. Et il reste plus qu'à aller par là.
c'est vraiment tout bloqué quoi. Du coup, direction Damas. Sérieusement là? Je commence petit à petit à avoir l'intérêt en fait. J'avoue que je suis pas allé aussi loin dans le jeu. Hop là. J'ai l'impression de jouer à GTA quoi. Ce moment où tu passes devant les flics à fond, en tuant des gens et puis tu t'arrêtes, tu ralentis juste pour pas te faire remarquer quoi. Hello guys. Excusez-moi. Belki sefer elimizden kurtuldu. Hadi suyu. Kaçmasına izin vermeyelim. Ama enorme. Faire attention parce que je vois qu'il y a des soldats partout. Et j'ai pas vraiment envie de me bastonner. C'est avec qui au drift de nuit?
Ah, le truc à brioche là. La morsure du lézard. Dans un combat, sélectionnez la lame secrète. Ah ouais. Et tout ça, ça va être notre terrain de jeu, c'est ça? Bah, ça promet. Pas mal pour un vieux jeu. Pour un jeu sorti du temps de la PS3. La caméra qui est un peu folle, mais sinon ça va. Garde ton hérésie pour toi. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Et c'est donc. Ha! Mais tu seras chez la tête. Tu ne m'échapperas pas! Oui. Merci. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Ça fera 50 balles. Mieux que le carton, les gars. Tu le sais peut-être pas.
cher. Merci. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Oui, bah comme ton frère tout à l'heure, quoi. Non, vous êtes jumeaux ou... Pardon. Non, parce que vous avez dit exactement la même chose, en fait, c'est pour ça. Tu vois, Simba, tout ce qui est dans la lumière est être au royaume. Qu'est-il passé? Il y a un meurtrier en liberté. Allez, venez voir mes marchandises. Vous n'en croirez pas. Meilleur produit de tout le pays. Ça, ça t'intéresse? Oh, quel nom lui prend? J'en ai d'autres. Tu as un problème? C'est que j'apprécie chez un... Bienvenue! Est-ce que tu as bien compris? Oui. Je dois porter la lettre à votre ami le marchand. Est-ce que tu sais qui c'est? Le même homme que d'habitude. Surtout pas un mot sur ma présence dans cette ville. Attention, nous avons l'œil partout. Et vous êtes bien armé. C'est pratique pour réduire les bavards au silence. Je ne le sais que trop. Vous avez ma parole. Bien. Alors dépêche-toi, le temps presse. Le guerrier. Pourquoi le guerrier, la Latina? Le guerrier Assassin's Creed, out. Les feux de la guerre consument notre terre. Il a fallu sacrifier des milliers de vies pour la défendre. C'est une tragédie, bien sûr,
mais aussi un grand honneur. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour ses convictions. Ah, les propagandes à l'époque. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux ? Tu vas le payer cher ! Je vais vous en prendre à moi. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Qu'est-ce que tu veux ? Sale voleur ! Je vais te trancher la main ! Sois maudit, hérétique ! You are a pirate. Ah non, c'est pas le bon épisode. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Bah, je ne suis pas vraiment sacrifié vu que je suis encore en vie, mais si tu veux. Allez, prends le point d'observation qui est pas loin là. Quel homme. Soyez prudents, mes amis. Shaitan est partout. Il attend. Il observe. Il nous soumet sans cesse à la tentation. Soyez forts comme Salah Adin. Et armons-nous du mieux que nous pouvons contre nos ennemis. Faut que je monte là-haut. Ok. Salah Adin soit loué. Il oui. A trouvé la force de défendre notre illustre civilisation. Que vous louez le plat de salade, si vous voulez. C'est bien pour notre survie que nous luttons. Le roi infidèle rêve de nous voir disparaître de la surface de la terre. Nous devons lui résister. Nous devons le repousser. Je me demande à quoi ils font référence. Parce que je sais que Assassin's Creed... Alors je sais pas si le premier était plus portant les faits historiques, mais je me demande à quel fait historique ça fait référence. Les mecs qui gèrent Animus, je dis mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Il n'a pas fini d'escalader en haut des tours ce con. C'est quand même plus pratique de pas se faire à toi, hein. Pas se mentir. Croisa le chef des Sarrasins et son armée de soldats. Tous plus affamés les uns que les autres. Tous deux réalisèrent la chance qu'ils avaient eue de se rencontrer. N'empêche, c'est cool d'entendre les histoires et tout. C'est vivant. Se demandant quoi faire avec un chargement de vivres qui bientôt allait se gâter. L'histoire et la vie de ce pauvre diable auraient pu s'arrêter là. Pourquoi je suis désolé, je suis un mec comme ça, je fais toutes les quêtes annexes avant de faire la quête principale. Parce que je l'ai marre de ces jeux en fait, quand vous faites les quêtes principales, ça vous fait sauter les quêtes annexes. Du coup, je fais les quêtes annexes en priorité. Donc désolé, vous verrez peut-être pas d'histoire avant la fin du stream, je suis désolé. On va prendre ce point d'observation là. L'histoire incroyable du prince des marchands. Nul ne le connaît mieux que moi. C'est bizarre. Approchez-vous. Venez écouter mon histoire. La flemme. L'histoire incroyable du prince des marchands. En chemin. Attends, il y a trop d'icônes sur la map. Ok. Sale
te ferai trancher la main. Ah. Ça, c'est une mission pour moi, ça. Ça, c'est une mission pour Super Altair, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je veux ta vie. Ah, il y a un pack dirigé, ah ok. Alors, je cache plus. Qu'est-ce qu'il compte faire? Mais putain, je vous ai dit, il y a un câble électrique qui déconne sur les toits, c'est pour ça que je monte. Oh là là, je suis électricien. À cette époque, ouais, à cette époque, t'inquiète. Est-ce que je peux monter là-haut à tout hasard? Non, je peux pas monter là-haut. Du coup, il faut que j'aille monter en haut de cette tour. Ça t'intéresse? Non? Pas grave, j'en ai d'autres. Beaucoup de sagesse est grande. Non, tu n'aurais pas venu jusqu'à moi. Je leur installe la fibre, c'est ça. La fibre par caillou. Bonjour, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de lumière ici. Je pense que c'est le câble de l'interrupteur d'électricité qui est mal branché. Je vais regarder sur le toit si ça vient pas du transformateur. Mission pour Super Altair. Aïe. On a chauffé la Lascar. Je suis encore debout, hein. Je suis pas encore mort. Hein. Où es-tu? Dans ton cul. Pardon. Je sais que tu n'es pas loin. Allez! Tue-le! Reste pas tout dans le pas! Tu ne m'échapperas pas! Sinon, je suis monte quand tu veux, mon grand. Fais tes prières. Trouvez-le. Trouvez-le.
Ah, c'est ce que je craignais, c'est le câble fibre coaxial qui est débranché. Avec ça, vous devez avoir des cheveux qui marchent du diable. Il faudrait peut-être même vous charger votre iPhone moins que moins 40. Oui, mon grand. Ah. Saladin, c'est le dictateur, non? C'est quand même très très beau. Hein. YOLO! Ah, bien dormi moi. Alors. 1, 2, il en reste 4. Ok, bah. C'est incroyable, je suis compté jusqu'à 4. Ah. Arrêtez, je vous en prie. Vous me faites mal. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux. Tu vas le payer cher. Ah. Qu'est-ce qui lui prend ? Salut. Moi je suis quelqu'un, merde. C'était pas voulu. Soit il avait une sale gueule à la base. Il avait le début de sale gueule, voilà. On se casse. T'inquiète. Lui-même ne sait pas pourquoi il fait ça, t'inquiète pas. Il est un peu con, ça lui prend des fois. Il se prend pour Yamaka 6 pour ça en fait. Ça me touche quand on me dit ça. Alors. Informateur pour... après je vais faire le tour des défis après. Déjà on va finir les points de... Après c'est vrai que moi je fais faire toutes les annexes en priorité. Et après je vais reprendre les missions principales. Alors c'est... C'est celui-là donc, hein, ok.
YOLO. Aïe. Ok, là-bas. Si, si, quelqu'un va t'aider, t'inquiète pas. Oh merde! Rip à ce pauvre civil qui vient de se prendre un coup sans rien, qui a rien demandé. Je vois rien avec la caméra, putain. Mais la caméra de mort, putain. Qu'est-ce que tu vas te foutre dans les poutres en bois? Pour éviter le combat, lancez-vous dans une course. La poutre est plus intéressante que le combat, en fait. On va se barrer de là parce qu'on a déjà tiré attention un peu. Il y a un meurtrier dans les parages. Non, non, y'a personne dans les parages, je me casse moi. Dieu punit celui qui a fait ça. Où se cache-t-il? Je sais pas où est-ce qu'il se cache. Il est parti par là, je l'ai vu, il est parti par là. Espèce de crétin! Qu'est-ce qu'il compte faire? Je suis électricien, mais vous inquiétez pas, il y a une poteau électrique qui déconne là-haut. Ah, texte blague, on va peut-être en trouver une autre à un moment. Il y a une fuite sur le toit, ouais, ça, oui, voilà. Non. On m'a appelé pour un ramonage de cheminée, voilà, c'est mieux. Infidèle, tu vas mourir. T'es sûr? Il nous en reste plus que deux, on a terminé les points d'information. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les points d'observation, pas les points d'information. Office du tourisme, le gars, tu sais. Il n'y a plus d'aveugle. Je devrais te tuer pour ça. Non, mais non. Tu peux arrêter de le lock s'il te plaît? Merci.
Je suis désolé la Latina pour mon non-skill, hein, mais je découvre vraiment le jeu, hein, c'est... Et là, il n'y a pas la caméra d'allumer, mais je vous garantis que je viens de tirer une tronche. Je vous accorde qu'autant le tailleur il respire la classe, autant des fois il est un tout petit peu con. Allez, plus que... En fait celui-là j'avais déjà essayé d'y jouer à 3 reprises, ce qui fait que j'ai à peu près, avant le début du live j'avais à peu près 63 minutes de jeu dessus. Et en fait là, le dernier coup que j'ai joué j'ai bloqué en fait au premier retour de l'animus, après le tuto, genre en gros quand tu retournes dans le monde de maintenant quoi. Et en fait j'arrivais pas à écouter à la grille d'aération comme une espèce d'abruti. Là pour le coup oui, c'est vraiment le premier Assassin's Creed que je joue. L'Assassin's Creed, comme je connais un peu leur valeur historique, j'ai à tout prix voulu commencer par le premier. Après je sais qu'il y a le Black Flag qui me tente énormément aussi à faire, mais le truc c'est que j'aimerais bien faire les autres avant. Ah, de l'action. T'es où? C'est là. Et merci Yosh pour le raid. Coucou Mitimi Acta, comment vas-tu? Ça va nickel, je suis ultra content, va jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube, je comprends pas pourquoi. Après le stream, je vais jeter un œil. Merci pour votre gentillesse. Pas de soucis. J'en fais serment. Ok. Il me reste plus que la dernière tour là-bas, là, que je vois. Et on y est. Je me demandais quand vous arriveriez. On est là. Ah, attends.
À chaque fois, je me faisais chier à les combattre et à perdre toute ma vie et à perdre tout mon temps. Alors qu'il y avait juste ça à faire. Prends la lame secrète et... À quoi tu joues, Altaïr? Ok, donc c'est le dernier point de vue qu'on fait. C'est quand même hyper classe. Et c'est que le quartier pauvre. Je crois que c'est ça le plus beau, c'est que le quartier pauvre là encore. Mais quel con! Altaïr, 25 ans. Lancez des coups d'eau pour éliminer vos ennemis de loin. C'est grimper très haut, mais trop con pour survivre. Ça tous les éléments. Bravo. C'est quoi ça tous les éléments? Apparemment il y en a un tout droit. Ah, d'accord. Il faut vraiment faire quelque chose. Quelqu'un d'autre ne va pas tarder à le découvrir. Dis-lui alors, maintenir la sécurité dans le souk et dans son intérêt. Il voudra pas me rencontrer. Il est trop occupé par sa nouvelle commande. Et les gardes? J'ai déjà essayé. Ils ne lèveront le petit doigt que si l'ordre vient de lui. Qu'est-ce que tu vas faire alors? M'entretenir avec Abul Nukud. Le prince des marchands? Il ne te recevra pas. Il n'en aura pas besoin. Je lui ai rédigé une missive pour lui exposer le problème. Il n'aura qu'à la lire pour se faire une idée. Ok, bon à savoir. Donc en passant par Eto au nord-est, il est facile d'arriver vers la cour centrale. Ok. Au bureau. Il y a un bureau, ah bon? On a quoi là? Secourir un citoyen, ah bah y aller. Complice, ok. On est parti, c'est parti. Par le sud, le roi anglais et son armée d'infidèles arrivent. Et ils sèment la terreur dans leur pillage. Alaaddin est parti à leur rencontre pour nous venger de leurs attaques. Ah. Est-ce que ce serait un crash Ubisoft? Donc, comme vous avez pu constater, j'ai beaucoup d'Assassin's Creed à faire. Oh.
Grimper à l'échelle est un moyen pacifique d'atteindre. Alors, reprenons. Trêve de plaisanterie. Est-ce qu'on peut faire la même mais sans bugger ce coup-ci, s'il vous plaît? Altaïr, quelle joie de te revoir. Et en un seul morceau. C'est un plaisir partagé. Je suis désolé pour tous ces problèmes. Peu importe. Je viens de quitter certains de tes frères. Si tu avais entendu ce qu'ils ont dit à ton propos, je suis certain que tu leur aurais tranché la gorge. Laisse-les dire. La vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment suivi le credo, n'est-ce pas? Cela suffit. Non, excuse-moi. J'ai parfois tendance à m'égarer. Quelle affaire t'amène à Damas? Un dénommé Tamir. Al-Mualim réprouve ses agissements. Je dois y mettre un terme. J'imagine que tu as parcouru les lieux pour mieux cerner ton ennemi. Oui. Et voici ce que j'ai appris. Tamir règne en maître sur le Sokalsilla. Il a fait sa fortune en vendant armes et armures, et a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise. Forgeron, marchand, financier. C'est le plus puissant des marchands de mort de la région. Et as-tu trouvé un moyen de nous débarrasser de cette vermine? Ils vont se rassembler dans le Sokalsilla pour conclure une vente importante. La plus importante jamais réalisée par Tamir. Il sera pris par son travail. Et j'en profiterai pour agir. Ton plan me semble logique. Tu as tout mon soutien. Que la volonté d'Al-Mualim soit faite. T'es gâté, frère. Repose-toi ici, autant que tu veux. Avance rapide vers une séquence plus récente. Maudit voleur! Aidez-moi, je vous en prie! Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Maudit voleur! Alors, Tamir, oh là là. Route vers le nord. Laissez-moi partir! Je demande en quoi faire! Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher! Laissez-moi partir! Je n'ai rien fait de mal! Garde-toi! Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Oh bordel, je l'ai pas vu. On se casse. Oh, je l'ai pas vu quoi, il m'a surpris. Je savais. Vers là-bas. Toujours en passant par les toits express. Je suis sûr que ça n'arrive pas. Ne pleurez pas, j'ai faim.
Il faut que je trouve de quoi manger. Quelques pièces. C'est tout ce que je demande. Est-ce que j'ai une tête hors de l'argent ? Donnez-moi quelques pièces. J'ai besoin d'argent, je vous en prie. Je suis malade et je crève de faim. Mais vous pouvez vérifier. Je me moque de tes calculs. Les chiffres n'y changent rien. Tes hommes n'ont pas honoré la commande. Et moi, je n'ai pas satisfait mon client. Et il nous faut plus de temps. C'est une excuse digne d'un paresseux ou d'un incompétent. Lequel es-tu ? Aucun des deux. Ce n'est pas mon impression. Alors, dis-moi, comment envisages-tu de régler ce problème exactement ? Il nous faut ces armes maintenant. Je n'ai aucune solution. Les hommes travaillent déjà jour et nuit. Et votre acheteur a vu très grand, sans parler des difficultés d'acheminement. Si seulement tu étais aussi doué pour produire des armes que pour trouver des excuses. J'ai fait tout mon possible. Cela ne suffit pas. Alors peut-être en demandez-vous trop. Trop ? Alors que tu me dois tout. Sans moi, tu en serais encore acharné des serpents pour quelques pièces. La seule chose que je te demande en retour, c'est d'honorer les commandes. Et tu dis que j'en demande trop. Manquer le respect. Du calme, Tamir. C'est un malentendu. Plus un mot ne sortira de ta bouche. Non, arrêtez. Arrêtez. Je viens juste de commencer. Arrêtez. Tu es venu dans mon souk. Tu as dérangé mes hommes. Et tu as osé m'insulter. Non. Laisse le corps. Cela vous sert de leçon. Réfléchissez bien avant de me dire que quelque chose est impossible. Maintenant, au travail. Mangeant à la con. Tu vas payer pour cela. Toi et tous tes semblables. C'est toi qui vas payer, semble-t-il, mon ami. Tu ne tireras plus parti de la souffrance des autres. Tu me prends pour un petit marchand de mort qui profite de la guerre pour s'enrichir. Pourquoi faire de moi ta cible ? Je ne suis pas le seul à exercer ce métier. Te croirais-tu différent des autres ? Je suis différent. Car j'ai mis mes compétences au service d'une cause noble. Tout comme mes frères. Des frères ? Ah, ils pensent que j'agis seul. Non, je ne suis qu'un maillon. Je remplis mon rôle, comme les autres. Tu les rencontreras bien assez tôt. Ils risquent de ne pas apprécier ce que tu as fait. Bien. J'ai hâte de les mettre eux aussi hors d'état de nuire. Quelle arrogance. Elle te détruira, mon garçon. Non, c'est mort. Il m'a vu. Ah.
Je crois que c'est un peu énervé là. Attendre un peu. Je sais pas s'il faut attendre ou pas d'ailleurs. Peut-être que je retourne au bureau, remarque. Faire ça alors. J'ai eu vent de ta victoire, Altaïr. Ma gratitude et mon respect te sont acquis. Merci. C'est une honte que les autres Hashish et Yun continuent d'avoir aussi peu d'estime pour toi. Afik, ce que les autres pensent de moi m'importe peu. Si tu le dis, tu devrais aller informer Al-Mualim de ta victoire. Il aura sans doute d'autres tâches à te confier. Avance rapide vers une séquence plus récente. Ouais, mais non, pas tout de suite. Ah merde! Oh putain! Je me suis niqué comme une merde là. De la machine, monsieur Miles. Il y a un problème? Mademoiselle Stillman insiste pour que je vous laisse vous reposer. Ok. Ok. Donc je suppose qu'en cherchant un peu, on devrait pouvoir trouver. Hey. Tu veux bien me dire ce qui le rend aussi nerveux? L'échéance approche. Une semaine. 6 jours, maintenant. Quelle échéance? Je ne peux rien dire de plus. Ben voyons. Un groupe de soi-disant scientifiques me retient en otage et m'oblige à passer toute la journée dans cette foutue machine. Sans me dire pourquoi. Et je devrais pas me poser de questions? Non mais tu veux pas non plus que je te dise merci parce que je suis toujours en vie? Faut quand même pas pousser!
Mets-toi à ma place. Que veux-tu que je te dise? Je sais pas. Tu pourrais commencer par me donner des réponses? Impossible. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour tous les deux. Attends. J'ai une question à laquelle tu devrais pouvoir répondre. Laquelle? Pourquoi les gens qui sont là-dedans parlent comme s'ils venaient du futur? Du futur? Enfin, je veux dire, du futur pour eux. Pour nous, du présent. Oh, tu veux dire ces gens qui vivaient en Terre Sainte et qui parlent notre langue dans l'Animus? Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'Animus traduit tout ce qui lui paraît vital dans un langage plus moderne. Attends-toi à quelques anachronismes. Je pourrais rendre tout ça plus authentique, mais... La philologie comparée, tu connais? La quoi? Je vois. Bon, oublie ça. Dis-moi plus sur Abstergo. Qu'est-ce qu'il magouille ici? À part retenir les gens comme moi prisonniers. Abstergo est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Il travaille essentiellement sur les antidépresseurs. Tous les détails sont sur cet ordinateur, là-bas. Alors, pourquoi je suis ici, si ce n'est pas pour tester un nouveau médicament? Écoute, je suis plutôt occupée. Je vois, l'Animus n'a rien d'un programme de recherche officiel, c'est ça? Tu n'as jamais vu leur spot publicitaire? Oh. Et en plus, elle a le sens de l'humour. Desmond, je suis désolée, mais j'ai du travail. Je te l'ai déjà dit, tu peux consulter cet ordinateur. Nos activités s'étendent à des domaines très variés, comme celui des télécommunications. Ou le silo de ton patron. Attends. Oh. Mais la caméra de mort, putain! Y'a pas son stylo, y'a pas son manteau non plus. Putain. Tu n'es pas fatigué? Je le sors avec toi, bébé. Excuse-moi, j'ai du travail. Ça va, j'ai compris. Tu fais la gueule parce que je te pose des questions, ça va. Ah mais la cam, quoi, t'as, je suis en train de bastonner, elle a regardé la poutre en bois. J'avais la poutre en bois à la place de la caméra, super. Magnifique. Gros jeu. Matin suivant. Hop, Philippe et Chebes qui rentrent dans la chambre. Allons-y, monsieur Miles. Le temps presse. C'est le cauchemar en cuisine. Il fait toujours jour, je sais plus jamais. Il fait toujours beau. C'est quoi, on a sauvegardé là déjà? Où est Lucie? Oh, ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt là. Dites, pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce que vous espérez au final? Vous regardez la télévision? Vous lisez les journaux? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'irai à l'essentiel. Le monde est un beau gâchis. C'en est pathétique. Vous en avez fait vous-même l'expérience. 1000 ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre. Et pourtant, notre société est toujours aussi barbare, toujours aussi stupide. Et où voulez-vous en venir? On peut y mettre de l'ordre, monsieur Miles. C'est à cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs? Oui, et c'est exactement ce que nous faisons. L'humanité est en quête de sens. Les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas monde. Eh bien, nous allons leur fournir une réponse. Quand chacun aura trouvé un sens à son existence, tout ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tous les conflits cesseront. N'est-ce pas à cela qu'aspiraient les assassins? La paix en toute chose? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un assassin. D'accord, d'accord. Je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans. Vous le saurez bien assez tôt, monsieur Miles. Bien assez tôt. Ou peut-être pas. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le trouviez. Que je trouve quoi? Désolée, je suis en retard. Avec plaisir.
Vas-y, pas envie de subtiliser le stylo là comme dans la. Arrêtez de faire le pitre et allongez-vous sur l'animus. Non, alors déjà tu vas te détendre mon grand. Moi là tu vois je vais changer de caméra, je vais passer en chat. Je vais quitter. Oui. J'imagine que c'est sauvegardé. Moi, je vais arrêter ici pour aujourd'hui avec Assassin's Creed. Très sympathique. C'est comme toutes les bonnes choses, faut pas trop en abuser. Je vais aller manger du coup, parce que j'ai quelqu'un qui veut me parler à 13h. Après, je vais me pioter. Je réfléchis, excusez-moi. Ce soir, donc 16h. Comme hier soir, on va faire du Reved. On reprend Reved tranquillou. J'ai envoyé la demande au développeur pour qu'il mette toute la traduction française en vérification. Du coup, je vais avoir la vision sur ce qu'il y a à corriger. Et je vais pouvoir reprendre tout de zéro, peut-être vous faire une traduction française digne de ce nom ce coup-ci. Quoi qu'il en soit, je souhaite à tous un bon appétit, un bon après-midi. Portez-vous bien, très important, bien portez-vous bien. On se retrouve donc cet après-midi, 16h, pour du Reved. Assassin's Creed, on verra quand c'est qu'on va le relancer, c'est le genre de jeu que je vais faire quand j'en ai envie. Il n'y aura pas vraiment de planning pour le faire celui-là. Donc je pourrais peut-être en refaire demain matin, je pourrais peut-être en refaire... samedi, je pourrais peut-être en refaire vendredi soir, je sais pas encore. Mais ça, j'en referai du Reved, y a pas de souci. Du Assassin's Creed. Le jeu me plaît bien, le jeu pour l'instant de ce que je n'ai joué il me plaît beaucoup. Maintenant que j'ai compris comment on joue, on devrait un peu mieux s'en sortir que la dernière fois que mon précédent essai. Donc, nous verrons ça avec le temps. On va prendre le temps d'évoluer. Moi, sur ce, je vais couper le stream. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Attendez, y a pas quelqu'un à raid là vite fait avec trois personnes là? Non. Si, peut-être Zippo. Il fait quoi Zippo? Allez, oh là là. Donc, vous savez quoi? On va rester après sur mon registre. Je vais vous envoyer vers du The Witcher 3. Allez. Restez par là. C'est un bon ami à moi. Il sera content, je pense. Non, le dernier, il veut pas. Tant pis. La bise. Le raid, l'attaque, bienvenue à ceux qui arrivent. Quoi? Décrochez ça, n'oubliez pas l'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Temeria. Il est très bien là où il est. La Temeria n'existe plus, vieillard. C'est Nivgard. Salut à ceux qui arrivent, comment on va? Bien et bien. Bon, je parle pas trop dans les cinématiques, mais ça parle pas. Donc. Ça va tranquille. Comment ça s'est passé Assassin's Creed?
désolé pour cette bande d'abrutis. Chicelle. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans le parage. Je vous fais comme ça. Une vilaine bête. Vilaine ? Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis les nains en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tête. Mais ça ne sert à rien de s'appuyer sur ton sort. Qu'est-ce que je peux faire ? Vous avez de la vodka ? De la vodka ! Et vous ? Vous sert de quoi vous rincer la bouche ? Alors, les dialogues. Bon, j'ai mis les diaticiels. Peut-être pas vu. On cherche une forme. Ouais, contrat sur le griffon. Il y a un contrat pour le griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chevins organisaient une collecte et demandaient de l'aide aux seigneurs. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas trop. Dommage, on aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Eh oui, il faut du fric. Alors, les affaires. Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en mort.